Et bonjour à toutes et à tous, ici Éternel pour les jeux du cygne. Et je vous présente aujourd'hui The Corpsman, jeu développé par Multicell Games, que l'on remercie d'ailleurs de nous avoir offert la clé. C'est un roguelike deck builder. Ça fait partie des roguelikes, ce que j'appelle les roguelites à chemin. En gros, à chaque session, à chaque run, on va avoir plusieurs chemins possibles avec différents événements, différents types de monstres à affronter. La particularité de ce jeu, c'est que on va construire, donc on joue en permanence avec trois créatures. Et ces créatures, on va les construire de brick et de broc avec des éléments qu'on va acheter ou récupérer au fur et à mesure de nos runs. Et ces éléments vont, alors pour la plupart, n'auront qu'un aspect purement esthétique. Enfin pour une bonne partie, mais apporteront également des possibilités, notamment en termes d'accès à différentes compétences. Par exemple, le fait d'avoir une queue ou pas sur un animal va permettre d'avoir accès à toute une gamme de compétences et d'attaques qui ne sont accessibles qu'aux monstres disposant d'une queue. Même chose avec des ailes, avec les cornes, avec les griffes, le type de dents, et ainsi de suite. Voilà, donc on va lancer. Enfin, j'avais déjà commencé le jeu, mais on va lancer une partie avec le tutoriel pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Hop, et on est parti. Donc là, d'après ce que j'ai pu voir, c'est purement esthétique. Hop, donc on crée Éternel. Hop, et on est parti. Alors le jeu est uniquement en anglais. Donc ça se passe dans un monde où tous les monstres et tous les animaux domestiques également utilisent également cette technologie d'être recomposés, un peu à la mode Frankenstein. Hop, en route pour le premier jour. Finalement, je suis un corpsman à part entière. Maman et papa seraient tellement fiers. Allez, il est temps de se rendre aux messes. Hop. Donc, comme dans tout ce genre de roguelike, on a un hub central auquel on revient entre chaque run, qui permet de se réapprovisionner et ainsi de suite. Hop. Donc, nous rendons aux messes. Bonjour. Private, c'est première classe. Première classe éternelle au rapport. Bien le bonjour. Bienvenue au centre de revivification. Mais la plupart des gens l'appellent juste le mess. Je suis le docteur Marissu. Premier jour de travail, première classe. Première classe éternelle, madame. Ne vous prenez pas la tête avec les madames, je ne m'embêterai à retenir votre nom que si vous survivez à votre première mission. Attendez quoi? Bon, suivez-moi rapidement. Il y a beaucoup d'enrôlés aujourd'hui, donc on va avoir assez peu de temps pour tout ce qui est procédure. D'accord, madame. Non, bien, madame. Ça fait plus militaire. Oula. D'accord, ceci est votre Living Construct Harvesting Index. L'index de construction des choses vivantes récoltées. Le truc dans le genre. C'est ici que vous cataloguez toutes les parties de créatures que vous avez réussi à récolter et à ramener. Et avant que vous appeliez, non, vos camarades du corps ne sont pas des choses que vous pouvez récolter, même s'ils sont très vilains. Ok.
qui est la règle stupide. Maintenant, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que le conseil a trois créatures cataloguées pour qu'on puisse les utiliser. Ce sont les créatures de combinaison standard pour tous les nouveaux, tous les newbies. Cette zone, hop, c'est là que vous allez faire votre création, construire votre création. On commence par un corps et après on remplit le reste comme on ferait ses impôts. Assez simple. Quand vous êtes confiant, quand vous êtes sûr, vous pouvez confirmer une partie et enregistrer la nouvelle adorable abomination quand elle commencera à marcher. Allez-y, je vous attends à l'extérieur. Madame, j'ai une... Bon, bah, tant pis. Ok, ok. Donc chaque partie fait des choses différentes et va développer des skills différents. C'est parti. Hop. Chaque part de corps, oui, partie du corps, a en général des composants clés comme les griffes, les dents, les sabots ou les crocs. Ces features, ces capacités vous permettront à votre nouvelle créature de débloquer différents types de mouvements, différents types de d'activation. Donc il faut faire attention quand on choisit une partie de corps. Hop, donc là on va choisir un corps parmi ceux-là. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des emplacements, mais si c'est pas très clair. Donc là vous pouvez voir par exemple qu'il y a patte avant, patte arrière, une tête. Le problème c'est qu'on ne voit pas très bien. Il y a également une queue qui n'est. On ne voit pas si. Voilà, typiquement en fait voilà, en la mettant. Donc on est sur des corps de type de taille moyenne. Ouais, il y a trois types de corps et un corps poison, je ne sais pas encore trop ce que ça fait. Par exemple, voilà, ce corps-là n'a pas accès à une queue. On va prendre celui-là, plutôt corps reptilien. Ensuite, on va regarder dans les têtes, les différentes têtes qu'on a. Donc tout à fait mélangé. Et donc ensuite, là c'est pareil, il y a plusieurs types. Donc il y a ceux qui ont des cornes, ceux qui ont un bec, ceux qui ont des crocs, ceux qui ont des dents. Et poison, sachant qu'une tête peut avoir plusieurs effets à la fois. Donc, typiquement, la tête de bélier, elle a à la fois des cornes et des dents, alors que les deux autres têtes, elles ont des crocs. On va partir aller sur une tête de chat. Donc, on aura des crocs, mais on aura ni dents ni cornes. Ensuite, les pattes avant, donc on peut avoir des griffes ou des sabots. Et après il y a des pieds également, type chimpanzé. Donc patte avant et patte arrière. On va partir aller sur des sabots en patte avant et on prend en patte arrière des griffes. Hop, et ensuite comme sur ce que là, ce corps là on a accès à une queue. Donc soit vous avez des queues mais qui ne donnent pas le bonus, qui sont juste purement esthétiques. Hop, soit donc voilà, après vous voyez tous les effets auxquels vous avez accès en bas de votre création. Là, ou sinon on peut rajouter une queue, voilà, qui donnera un effet de queue en plus. On va faire 100 pour celui-là. Donc, sinon vous pouvez aussi randomiser complètement votre créature. Et vous n'êtes absolument pas obligé de mettre les mêmes pattes à l'avant et à l'arrière. Hein. Si vous voulez qu'il y ait des pattes bizarres de tous les côtés, c'est du Frankenstein, donc vous faites bien ce que vous voulez. Hop, et on confirme. Igor, le courant. Il est vivant. Voilà, voilà, voilà. T'attends.
Hop. Mot qu'il est mignon. Eh bien, on va l'appeler. Hop. Chaton. Voilà. Terrifiant chaton, quand même. Alors, ok. J'ai intérêt à lui faire apprendre des compétences de base. Est-ce que je devrais aller plutôt sur quelque chose d'agressif ou de défensif? Alors, donc il y a trois types de cartes, sachant que quand on crée un monstre, il récupère quatre cartes. Quand vous donnez vie à une créature, vous devez lui apprendre quatre mouvements de base qu'ils pourront effectuer. Voilà, ça sera donné sous forme de carte dont vous pourrez vous servir pour lui donner des commandes, des ordres. Donc il y a trois types de mouvements. Hop, les attaques en rouge, les skills, les ouais, capacités en vert et les pouvoirs en bleu. Chaque ordre de créature. Une créature peut apprendre et qu'elle utilise affectera sa personnalité. Plus elle utilise un ordre et plus elle va aller vers cette personnalité-là. Donc il y a trois personnalités différentes. Agressive, plus on utilise de cartes attaque, plus il y a des chances que le monstre devienne agressif. Donc plus on va lui apprendre de capacités agressives et plus elle va en utiliser. Plus elle pourra, les capacités qu'elle pourra apprendre par la suite auront des chances d'être de type agressif, donc attaque. Cunning, donc astucieux, ça c'est plutôt quand on utilise les capacités vertes. Et stubborn, donc têtu, quand on utilise plutôt les capacités bleues. Donc les capacités bleues, point important, power, ce sont des cartes qui ne s'utilisent qu'une seule fois. C'est-à-dire une fois que vous les avez utilisés, l'effet reste actif pendant tout le combat. Voilà. Donc là, par exemple, ça va permettre de gagner 2 d'endurance. Oui. 2 d'endurance qui seront effectifs pendant tout le combat, ce qui fait que la carte ne sera pas repiochée pour qu'on puisse regagner ensuite suite 2 endurance, et ainsi de suite. Hop. Il peut y avoir éventuellement aussi, selon les événements, des ailments, donc des maladies, des troubles. Donc il y en a qui vont durer. Il y en a qui sont globalement assez violents. Et en fait, ça va être des cartes qu'on va piocher comme les autres. Donc soit on peut les jouer, soit on ne peut pas les jouer. Dans ce cas-là, elles vont avoir un effet passif qui va s'appliquer. En général, juste le tour où elles sont jouées, mais ça peut être du bien pire que ça. Donc il y en a qui vont partir tout seuls. C'est-à-dire une fois ils vont être actifs pendant un combat. Ils vont bien vous embêter pendant un combat, mais à la fin du combat, ils vont dégager. D'autres qui doivent d'abord augmenter en intensité avant de disparaître, et d'autres qui peuvent rester à vie. On peut les enlever avec un bâtiment quand on revient en ville, mais quand on enlève un trouble comme ça, une affection, ça réduit les points de vie maximum du monstre. Voilà, de manière définitive. Hop! Donc là, on va lui apprendre ses 4 cartes de départ. Donc, celle-ci, donc on est plutôt sur du vert qui donne 8 de blocage à tous les monstres. Il nous donne 2 de threaten, donc de taunt en gros, qui va transformer en tank, parce que ça va obliger les monstres à cibler ce monstre-là. Donc, bien noter à chaque fois le nombre. Donc voilà, pour typiquement, vous voyez threaten, donc il doit être ciblé en premier et on perd un stack à la fin d'un tour. Donc ça, en l'occurrence, il devra être ciblé en premier pendant les 2 prochains tours, sauf si c'est rechargé ou s'il y a d'autres effets qui entrent en jeu. Sachant que si un autre monstre gagne Threaten, c'est toujours le dernier monstre à l'avoir obtenu qui sera la cible principale. Hop, ensuite, chaton gagne 6 de blocage et on pioche une carte. Donc quand on pioche une carte, c'est une carte parmi le pool de toutes les cartes disponibles pour tous les monstres. Pas forcément pour ce personnage-là. Et donc un pouvoir, chaton gagne 2 d'endurance. Donc vous pouvez voir, l'endurance, ça augmente la quantité de blocage de bouclier qu'on récupère.
du nombre de tokens qu'on a. Donc là, en l'occurrence, si on récupère 2 d'endurance, et ben là, par exemple, au lieu de récupérer 6 de blocage, on récupérerait 8 de blocage. Voilà. Et accessoirement, il y a un autre moyen d'augmenter donc l'endurance ou la force, qui est en jouant justement des cartes vertes ou rouges. Plus on joue de cartes vertes, plus on va gagner en endurance. Donc si on joue 4 cartes vertes, à chaque fois qu'on joue 4 cartes vertes, on va gagner plus en endurance. À chaque fois qu'on gagne 4 cartes rouges, qu'on joue 4 cartes rouges, on va gagner plus en force. Et donc la force augmente les dégâts des cartes attaque. Bon, vu qu'il a l'air de vouloir nous proposer du vert et du bleu, bon, on va prendre ça, c'est toujours pas mal. Hop. Ensuite, deuxième carte, et ben, on va prendre Tefen. Donc, soit cette carte-là qui inflige 2 de dégâts et qui en gros ne coûte rien. Celle-là qui coûte 2 mais qui permet de donner 10 de blocage à n'importe quel monstre. Vu qu'on est parti pour avoir Death of Ness, ce sera pas mal. De l'endurance. Gagner de la force. Non, je vais plutôt en faire un tank celui-là ou un support. Donc on va continuer à pouvoir appliquer de la défense. Et en quatrième carte, qu'est-ce qu'il me propose? Eh bien, on va prendre ça, ça peut être pas mal, ça permettra d'appliquer encore plus de blocage à tout le monde et éventuellement de pouvoir assister le tank principal. Allez. Hop. Ah, je vois que vous en avez fini ici. Rigolo. Vous avez mis beaucoup de gusto in it. Beaucoup de cœur à l'ouvrage, j'imagine, quelque chose comme ça. Oui, merci madame, j'ai tout fini. Il s'appelle Chaton. Ah, vous l'avez appelé. Ouais, bon, je suppose que c'est votre décision. Hop. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, je sais que les jeunes comme vous ont une capacité d'attention extrêmement limitée et on a peu de temps aujourd'hui. Donc je vais vous laisser emprunter deux créatures de la préserve. De la réserve pour que vous puissiez utiliser sur votre première mission. Un ours dinosaure et un renard chèvre. Ce sont les expériences 626 et 627 respectivement. J'espère qu'elles vous serviront plus que à leur créateur. Ah, ah bon, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ah, ils sont devenus de la nourriture pour monstres. Essayez de ne pas vous faire tuer à l'extérieur pendant votre mission. J'aimerais bien ne pas avoir perdu mon temps sur un cadavre en puissance. Hop, maintenant dirigez-vous vers le dispatch. C'est ouais, en gros le tableau de mission. Et faites vite. Cet homme est accro à la ponctualité. Oui, madame. Bon, eh ben, cette dame est abrute, brute de décoffrage. On devrait vite faire ce qu'elle dit. Allons-y. Bon, ça blablate un petit peu au début, histoire de présenter tutoriel et tout ça. Après, il y en aura beaucoup moins. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Hop, le panneau doit être à l'est. Bon, eh ben, autant se mettre à courir. Hop, dispatch. En avant. Donc là, il faut choisir ses monstres. Donc, vous voyez, en haut, au milieu et en bas. Je ne sais pas, j'ai pas encore vu si ça avait une importance au niveau des attaques. Je crois que c'est purement esthétique. J'ai pas encore vu de capacité qui affectait un emplacement en particulier. Hop. Première classe éternelle, vous êtes en retard. Il est juste 9h comme prévu, monsieur. Fils, si vous n'êtes pas en avance, vous êtes en retard. Et vous n'êtes pas en avance. Pardon, monsieur. Apprenez de vos erreurs, enfant. Parce que pour l'instant, c'est gratuit. Plus tard, ces leçons, elles vous coûteront un bras et une jambe. Que vous êtes prêt pour votre première mission? Oui, monsieur. Ça devrait être oui, chef.
Hop. Ok, fiston. Ceci est le panneau des quêtes. C'est là que vous allez choisir votre mission. Vous devez d'abord regarder dans quel environnement votre mission va se passer. Donc, Summerlay, c'est la ville. Il y a la forêt, les marécages et la montagne. Hop. Il y a 4 types de missions. Facile, standard, difficile et hellish, diabolique. Les missions faciles et standards sont des missions non critiques pour la cité. Ça veut dire qu'on peut retreat, on peut abandonner la mission à n'importe quel moment si vraiment ça devient trop dur pour nous. Par contre, les missions dures et diaboliques sont des missions avec des monstres très forts et que soit on les complète, soit on meurt. C'est encourageant. Hop, donc on va commencer par une mission facile. La première mission que tous les nouveaux du corps doivent effectuer. Ici, vous pouvez voir les différents détails de la mission. Donc ça va se passer en forêt, ce sera court. Hop, et la récompense, 25 Vellum. C'est la monnaie du jeu. Et maintenant, allez-y, on perd du temps. Oui, chef. Première classe, j'ai dit on y va. Hop, oui, chef. Et hop, on est parti. Voilà, donc c'est pour ça que j'expliquais du roguelike à chemin. C'est que vous allez choisir un chemin. Parfois vous aurez des embranchements qui vous effectueront des choix, mais sinon en fait c'est bien de regarder au début où est-ce que vous comptez passer. Donc sachant que il y a des éléments qui ne se révéleront qu'une fois que vous aurez suffisamment avancé, même si vous ne pouvez pas connaître l'étendue complète de ce que vous allez devoir faire. Hop, vous voyez sur le côté vous avez une légende. Donc les points d'interrogation, c'est des événements qui en général vous affectez soit en positif, soit en négatif. Human, j'ai pas encore rencontré. Rest, ça vous permet de soigner vos monstres en dépensant des ressources que vous allez récupérer en affrontant votre monstre. Regular, c'est la plupart des monstres et les monstres élites. Et celui que vous voyez tout en haut avec la tête de bélier, c'est le boss de la run. Allez, garçons, voici votre carte de mission. Vous pouvez voir que votre mission traverse différents types de biomes. Hop. Donc, prévoyez votre équipe et votre route en conséquence. Ah, ça me rappelle des mémoires, tout ça. Ok, voici votre première leçon. Gardez vos ordres rapides et clairs, et plus important, ne mourrez pas. Allez, garçons, bonne chance. Chef ? Et zut. On est parti. Hop, combat. Vous pouvez voir, en fait, on va piocher des cartes. Donc, il y a les cartes de gauche vont correspondre au monstre qui est en haut, les cartes du milieu vont correspondre au monstre qui est au milieu, et les cartes de droite vont correspondre au monstre qui est en bas. Hop, chaque carte, donc vous pouvez voir qu'il y a des coups différents, de 0, 1, 2, 3, ça peut monter, j'ai déjà vu du 4. Hop. Ça, c'est le nombre de cartes qu'on a, le nombre de cartes qu'on va piocher au prochain tour, parce que ça peut être changé avec fonction de certaines cartes, donc soit réduit, soit augmenté. Et l'impetus, c'est le nombre en gros de points d'action. Donc on a 5 impetus par tour, et pareil, indiqué à la suite le nombre qu'on en aura au prochain tour, parce que pareil, ça peut être augmenté ou diminué temporairement. Hop, ensuite. En dessous les feuilles de chaque monstre, donc la barre rouge qui correspond à ses points de vie, on peut survoler pour voir le nombre de points de vie exact. Au-dessus, c'est marqué ici en tête, c'est son nom, c'est pas son nombre de points de vie. Le nombre de points de vie, sinon voilà, vous l'avez dans le petit drapeau à gauche. Là, ici, ça c'est le nombre de dégâts qu'il va prendre à ce tour-ci. En dessous, c'est la quantité de boucliers dont il dispose, sachant que le bouclier perdure entre chaque tour. Sauf indication contraire. Et donc ça justement, c'est le momentum
à chaque plus vous allez jouer de cartes d'un certain type, plus vous allez augmenter justement votre momentum dans une catégorie, donc soit en force, soit en endurance. Donc plus vous jouez de cartes rouges, plus vous allez gagner en force, plus vos cartes rouges vont faire mal, elles vont gagner un point de dégâts, un point de force, sauf indication contraire, il y a certaines cartes qui en bénéficient plus. Et la même chose pour l'endurance, c'est-à-dire vous allez gagner plus, vous allez... Les cartes que va jouer ce monstre-là vont gagner en blocage. C'est pas les cartes qui vont être jouées sur ce monstre, c'est les cartes que ce monstre va jouer qui vont gagner un bonus de blocage, pareil, un point de blocage en plus par point d'endurance. Voilà. Hop. Et donc les monstres, ils ont le même principe, c'est-à-dire qu'ils vont, eux aussi, ils vont pouvoir augmenter en puissance. Ils vont avoir donc soit du bleu, alors s'il y a le symbole des griffes comme ça, c'est que c'est forcément une attaque, il va y avoir des dégâts qui vont être infligés. Si c'est du rouge, c'est juste du dégât brut sans effet. Si c'est du bleu, non seulement ils vont attaquer, mais en plus de ça, soit ils vont gagner du bouclier, soit ils vont gagner un buff. Et si c'est du vert, en plus d'infliger des dégâts, ils vont infliger un debuff sur vos monstres. Et quelques monstres qui ont ce symbole là qui ne sait absolument pas ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est des capacités un peu spéciales. Voilà. Allez, on est parti. De toute façon, ah si, il y a le chemin du milieu, ou de toute façon, ouais, non, il y a des élites quoi qu'on fasse. On finit forcément par un feu de camp. On n'aura peut-être pas besoin d'un feu de camp en deuxième. Tiens, celle-là elle est pas mal. Ça fait deux monstres. Trois monstres, un élite et un event, comme ça je pourrais vous montrer ce que sont les events. Allez, on va partir sur celui-là. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Donc vous avez vos monstres, les monstres adverses, ce qu'ils ont intention de faire, leur point de vie, et ainsi de suite. Donc là par exemple, on sait par défaut que... Alors je sais... C'est peut-être ça le positionnement du coup. C'est que s'il n'y a pas de taunt, le monstre du haut par défaut attaque votre monstre du haut, le monstre du milieu, ça va être ça. Peut-être plus intéressant du coup de mettre le tank en haut que en bas. Donc j'ai 5 d'impétus et je peux jouer donc, du coup, pour 5 points de carte. Alors on va jouer du coup le power parce que c'est une carte qui ne reviendra pas et qui sera active tout le temps. Donc on va appliquer 12 de bouclier sur chaque tour. Et ensuite il me reste un des impétus, donc on va faire ça qui afflige 2 points de dégâts et qui permet de réduire les dégâts que va infliger la cible. Donc plutôt comme lui il a tout tanké, on va plutôt mettre les progresses ici, comme ça le temps de cible plus que 8. Et fin de tour. Donc là on peut voir que lui il va se booster lui-même alors que lui va booster tous les monstres. Comme il n'y a pas les petites griffes, du coup il n'y a pas d'attaque. En général ça c'est les symboles qui indiquent qu'ils vont gagner du bouclier. Donc du coup on va peut-être plutôt attaquer celui-là, vu que celui-ci va choper deux fois du bouclier. Hop, on va piocher. On va réinfliger les dégâts et on va monter son bouclier à lui vu que c'est lui qui a priori qui est parti pour être le tank principal. Voilà, donc là typiquement lui il va infliger 13 points de dégâts. Ah non, donc là la cible n'a pas. La position n'a pas d'importance. Donc, typiquement il a 13 points de dégâts et il va infliger un debuff. Donc voilà, vous pouvez voir les dégâts. Et lui il va infliger 13 points de dégâts en zone. Donc on va faire du coup, on va donner 10 points de blocage à tout le monde. Hop, comme ça, ça réduira. Lui, on va lui réduire, on va lui infliger. Ah non, je ne peux pas le taper parce que, voilà, typiquement, c'est lui que je suis obligé de taper en priorité. Donc là, vous voyez, charge, donc ça augmente les dégâts de la prochaine attaque. Et dès que l'attaque sera jouée, ça va disparaître. Donc là, il a plus 3 pour sa prochaine attaque. Et lui, pareil, plus 3 pour sa prochaine attaque. Et je suis obligé de le focus, lui. Et donc, là, c'est ce qu'on va faire. Quoique... Non. Je vais plutôt mettre le cage ici. Parce que le problème, c'est que si je fais ça, je n'aurai plus assez de...
points d'action pour jouer cette carte-là. Et chaton va prendre beaucoup de temps à jouer. Hop, ça va prendre un peu moins. Mais de toute façon, ces cartes-là, je peux les jouer. C'est plus de 0. Enfin, costaud comme premier combat. Ah, et chaton est étourdi. Donc vous voyez, typiquement, les cartes de chaton ne peuvent pas être jouées à ce tour-ci. Ah, mais eux, ils sont étourdis aussi. D'accord. Donc ils ne pourront pas jouer de cartes. Donc là, pour ce tour-ci, je suis tranquille. Donc du coup, piocher. Une grosse carte avec 14 de dégâts. On va essayer de focus celui-là. Essayer de focus un monstre plutôt que de taper plusieurs. Comme ça, quand il n'y en a plus qu'un, on prendra moins cher. Là, chaton va prendre 20, je vais 12. Lui, ça serait bien que j'arrive à infliger les 14. Voilà, sinon, je le protège complètement. J'inflige 3 points de dégâts. En plus, ça permet de mettre un peu de dégâts. Comme ça, il ne prend plus de points de dégâts. Hop. Et on inflige quand même encore 3 points de dégâts. Donc, vous voyez, typiquement, 626, il a déjà rempli une fois sa barre. Donc, il affiche déjà plus 1 point de dégâts, comme vous pouvez voir. Avant, le chiffre était en jaune. Maintenant, il est en vert, puisqu'il a gagné plus 1. Si j'en joue encore une, il va remplir une deuxième fois sa jauge. Et du coup, il va passer à 2 de force. Voilà. Maintenant, ses attaques maintenant infligeront plus 2 points de dégâts. Donc là, ça va être du boost sur les deux. Donc là, vous voyez, par exemple, lui, il a déjà 2 d'endurance. Donc tout le blocage qu'il va récupérer sera augmenté de 2. Il va être compliqué à tomber. Je vais en profiter, moi, pour mettre... Non, je vais d'abord piocher. Typiquement, vous voyez, avant elle inflige 3, maintenant elle inflige 4. Hop, je vais mettre 3, 10 de dégâts sur tout le monde. Hop, et 4 points de dégâts, c'est toujours 7 prix. Donc, prochain tour, ça arrive 2. Voilà, 26 points de dégâts en zone. Et ben, hop, on va mettre tout ça. On va mettre, hop, un peu de blocage ici. Pas de dégâts. Ok. Hop, bon, ils sont étourdis tous les deux, mais par contre ils ont beaucoup de blocages à passer. Hop, donc ça y est, lui il est passé à 3 en force. On va piocher. Et on va faire gagner de l'armure. Et tu vas infliger un peu de dégâts. Sachant que oui, le problème c'est que j'ai beaucoup de boucliers que j'ai un peu de mal à passer. Hop, ça, si tu tombes son bouclier. Hop, là a priori, là il n'y a pas de dégâts qui sont infligés. En fait, si vous pouvez voir s'il y a des dégâts qui sont infligés, si ce sera une portion jaune sur la barre. En fait. Et je vais un peu. Bon, il lui reste 11 points de vie à lui. Ce serait bien que j'arrive à le tuer, et ça semble mal parti, à moins que je risque de ne pas le tuer. Et donc il va rechoper plein de boucliers. Ah non, si, c'est bon. Hop, lui est mort. Et ben, on va en profiter pour booster chaton, parce que chaton, ça lui permettra de passer endurance 4. On rajoute du bouclier à tout le monde. C'est plus intéressant en plus d'avoir de haute endurance, parce que le bonus d'endurance, le bonus de bouclier, ça avec ces compétences-là. Bon, et donc lui, maintenant, il va falloir réussir à lui tomber ses 64 de bouclier et ses 48 points de vie. Et ben, on est parti pour un bout de temps. Et ben, on va commencer par un petit gros. Hop. Tant pis pour le blocage. Maintenant qu'il tape tout seul, normalement, s'il a juste son attaque de zone, ça va être un peu plus problématique. Bon, donc il va étourdir chaton. Donc lui, il va toucher. Hop, on va afficher le 14 de dégâts. Donc le principe, c'est que vous allez afficher de plus en plus de dégâts. Les monstres aussi. Donc faut faire attention à ça. Mais plus la partie dure, enfin, la partie dure est plus. Voilà, vous allez faire mal. Donc là c'est 625 qui va se prendre dessus. Hop, et ben, du coup, on va remettre du blocage à tout le monde. 627 qui s'est tapé dessus, c'est chaton. Et puis il n'y a plus de 28 points de dégâts. Et bien on va lui infliger 15. Hop, on va piocher. Et là ce sera juste un petit peu plus. Alors il va se mettre 14. Donc là par contre
il inflige 14 à tout le monde, ce qui est pas très grave. Hop, on fait sauter le bouclier. Et en plus, on va lui infliger weakness, donc avec lui, les dégâts sont importants. 8 de dégâts, et normalement, il est mort. Voilà, on a réussi à limiter pas mal les dégâts, mais le combat est un peu long. Voilà, donc on va récupérer de la viande à chaque combat, sachant que toute la viande non utilisée à la fin d'une run est transformée en soupe. La viande, elle sert notamment à soigner ses monstres. Ah voilà, là typiquement, 626, je lui ai fait utiliser pratiquement que des capacités offensives, donc du coup il est devenu plus agressif, donc il a plus de chances d'obtenir des cartes rouges quand il va monter de niveau, ou d'autres cartes, mais qui ont plutôt une orientation d'attaque. Hop. Alors, chez 626 qui a monté de niveau, hop, donc il va passer niveau 2, donc ça peut permettre de récupérer une nouvelle capacité, on peut évidemment passer si on n'est pas trop pour son mec. Alors, inflige 2 points de dégâts et 2 de saignement à un ennemi aléatoire. À l'ennemi aléatoire qui a le plus de saignement, s'il y en a. La question c'est, est-ce que du coup ça veut dire que s'il n'y a pas de monstre avec le saignement, ça n'inflige, ça ne fait rien du tout? Ou est-ce que ça va juste cibler un monstre aléatoire? Bon, on va tester, on regarde. Ça, quand il attaque ce tour-ci, il gagne 2 de blocage. Et ça, c'est celle que j'ai dit. Allez, on va tester la soif de sang. Hop. Et ensuite, quand vous utilisez beaucoup une carte en particulier, donc ça je vous montre le prochain combat, en fait, du coup, elle peut monter de niveau. Donc soit voilà, elle était à 2 de dégâts, elle peut monter à 3 de dégâts, ou ouais, une fois un dégât deux fois. Et typiquement ça peut être plus intéressant quand vous commencez à gagner beaucoup de force. Par exemple si vous commencez à être à 4 de force, ça va augmenter chaque dégât individuellement. Donc par exemple là vous infligerez 8, alors que s'il y a 4 de force avec ça vous n'infligerez que 7. En fait plus vous allez monter en force, plus ça va être intéressant. Vous infligez moins de dégâts dans les premiers tours, mais quand vous allez monter, ça va être beaucoup plus intéressant. Hop, une autre carte qui peut être upgrade, bah la même, pas forcément les mêmes upgrades, voilà typiquement là j'ai pas du tout les mêmes upgrades, donc j'ai de nouveau soit monté de 2 à 3 dégâts, soit resté à 2 dégâts mais infligé vulnérabilité qui du coup augmente tous les dégâts infligés à la cible pendant ce tour, sachant que à chaque fois qu'ils vont prendre des dégâts, ils vont perdre un stack. Je pense que je vais prendre directement le 3 dégâts. Et j'ai encore une carte qui peut être augmentée. Hop, donc soit instinct qui permet de l'avoir en gros dans la main de départ. Ou sinon de la faire passer à 0 de points d'action. Mais elle ne peut être utilisée qu'une seule fois. Et s'il n'y a aucun des. S'il n'y a aucune des améliorations qui vous va, vous pouvez la relancer. Autrement dit, vous allez perdre toute l'expérience qu'elle a accumulée donc, pour son passage de niveau. Et ça vous permettra d'avoir de nouvelles options à la prochaine fois qu'elle va monter. Bon, on va le passer en consume. Et lui, qui peut augmenter donc sa défense. Ah bah ça, c'est très bien par exemple. Soit on gagne plus de blocage, soit on gagne le même nombre de blocage, mais on aura un point d'action en plus au prochain tour. Ça c'est pas mal. Et augmenter son stomp, pas la même chose, soit 2 points de dégâts en plus, soit 1 point de dégâts en plus, soit le même nombre de points de dégâts, ou 1 point d'action en plus. Hop. Hop. Bien joué, première classe éternelle, vous n'êtes pas mort. Maintenant, rappelez-vous, vous ne pouvez pas battre en retraite pendant un combat, mais vous pouvez le faire une fois que c'est terminé. Si vous sentez que vous ne pouvez pas continuer, il vaut mieux vous retirer pour combattre un autre jour. Et typiquement, je pense que c'est une mécanique qui est importante dans ce jeu par rapport aux autres roguelikes. C'est que il vaut parfois mieux, je pense, abandonner une run si on sent que vraiment ça commence à être compliqué, parce que ça permet de garder ces créatures en vie, notamment, et de garder leur niveau. Alors qu'une créature, quand elle meurt et on perd tout ce qu'elle avait gagné en expérience et autres. Donc ça peut être, je pense à mon avis, assez important
d'abandonner au pire une run si vraiment on voit que ça se passe mal, ou qu'on a un monstre qui est sur le point de mourir et qu'on préfère garder en vie. Il vaut mieux abandonner et on gagnera rien, mais on peut rien, et au pire on garde quand même au pire l'expérience accumulée. Hop. Voilà. Par contre, si vous le faites, vous échouez la mission et vous gagnerez absolument rien de ce que vous avez accumulé jusque là. Donc que ce soit en nourriture, en sous ou en partie d'animaux. Mais au moins vos monstres seront en vie et vous aurez appris quelque chose, eux et vous aurez appris quelque chose. Hop. Oui, chef. Bon, maintenant j'y retourne, c'est tout. Vous n'allez pas me suivre ou me donner plus d'instructions. Non, je pense qu'on apprend mieux en étant sur le terrain et en ne faisant pas les mêmes erreurs deux fois. Voyez-moi, j'ai perdu un bras, et ben j'en ai pas perdu d'autres. Hop, allez, maintenant, mettez-vous-y, retournez-y, j'ai de la paperasse à faire. Et allez, donc là on va refaire un autre combat du coup, sinon on pourrait aller à un feu de camp, mais on n'a pas perdu beaucoup de points de vie. Alors c'est ça, des points de vie que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas voir son... l'état de son roster, l'état de son équipe. Tant qu'on n'est pas en combat, parce que du coup là, si j'ai pas fait gaffe, je peux pas forcément savoir si j'ai perdu beaucoup de points de vie ou pas. Donc on va repartir sur un autre combat. Hop. Alors, d'accord, donc il y en a un qui a pas de carte. Chaton n'a pas de carte. Donc on va commencer par utiliser la carte de pouvoir, comme ça elle n'en prendra plus la main. On va gagner du blocage et du filage. C'est fait. Hop, chaton, on va gagner 2 d'endurance également. Hop là, et on va réfléchir du dégât. Dégâts et hop, du blocage. Alors du coup, ça commence à marcher, est-ce que ça va lui appliquer? Ouais, c'est clair. Donc par défaut, s'il n'y a pas de monstre avec saignement, ça le fait sur le premier monstre que ça. Donc là, il va infliger des dégâts à tout le monde. Donc on va... non, ça je vais le garder parce que j'aurais quasiment rien à... J'aurais pratiquement plus d'impétus. Après, donc on va plutôt faire ça. Et en plus, on va le connaître, c'est ce qui infligera moins de dégâts. Ce tour-ci, lui en plus il est étourdi donc il jouera rien. Donc là, hop, comme ça j'aurai un point plus en plus. Hop. Et ben je vais jouer ça, comme ça j'aurai 2 points de vécu en plus. Comme vous pouvez voir, du coup, au lieu d'être à 5 au prochain tour, je serai à 7. Ça me permettra de jouer beaucoup plus. Hop, donc typiquement, on va utiliser les dégâts. Et 3 dégâts et un peu de saignement à tout le monde. Bon, je vais pas piocher de carte parce que de toute façon, comme j'ai plus d'points d'action, ce serait gâché. Hop. Donc là, j'ai pas ce qu'il faut. Donc on va taper et retaper. Et le temps dans le monde, de toute façon, il va mourir puisqu'il a un point de saignement. Hop, je vais utiliser les cartes pour faire monter. Puisqu'il en fait, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Il y a une barre qui se remplit autour de trucs de points d'action. Et en fait, plus vous utilisez cette carte-là, plus elle va gagner en expérience, en gros. Et quand elle aura atteint son maximum d'expérience, justement, à la fin d'un combat, vous pourrez la faire évoluer. Hop, voilà. Le combat est terminé, puisqu'il a un point de saignement qu'il va prendre au début du tour avant de pouvoir agir. Et voilà. Encore un petit peu de viande. Hop, une carte qui peut être augmentée. Chon. Ah, alors typiquement, c'est deux effets qui ne pèsent pas outre mesure. Donc soit ça augmente drastiquement les dégâts, mais ça va me... Alors, ce qu'ils appellent consume, c'est en fait ça va la retirer de la pioche et de la défausse. C'est une carte que je pourrais plus piocher pendant cette bataille. Hop, soit on garde le même nombre de dégâts mais on fiche plus de weakness. Bah, typiquement je
pense que là je vais la retrain. Hop, du coup voilà, et la carte n'est pas évoluée, elle recommence à zéro, mais au moins du coup je n'aurai pas d'effet qui m'intéresse pas ou qui peut m'handicaper. Alors, mur de chair. Hop, soit plus de blocage à tout le monde et le même nombre de taunts. Soit autant de blocage à tout le monde, le même nombre de taunts, mais je gagne en plus du counter, donc qui est donc un nombre de dégâts qui seront infligés à chaque fois que la créature qui a le counter est attaquée. On va partir là-dessus. Donc, sachant qu'à chaque fois que vous êtes attaqué, le nombre de tokens, de points de contre, est divisé par 2. Arrondi à l'inférieur. Typiquement, je vais en gagner 3. Si je me fais taper une fois, je vais infliger 3 points de dégâts à la première créature qui me tape. Et après, ça va descendre à 1. Donc, divisé par 2, arrondi à l'inférieur. Et donc, ça tombe à 1. Et si je me fais taper encore une fois, j'inflige 1 et j'ai plus de counter. Il faudra que je le remonte. On va partir là-dessus. Allez, donc ensuite, un événement. Hop. Alors, vous arrivez à un groupe d'étranges champignons colorés qui ont alluring, entêtante, je crois que c'est ça, qui ont une odeur entêtante. Hop. Soudain, vos trois créatures foncent sur les champignons, attirées par leur odeur entêtante. Ouais, non, donc c'est alluring, ça devait pas être ça. Tantalizing, il me semble que c'est ça. Envoûtante, sinon tantalizing c'est envoûtante, je crois. Hop, vous pouvez seulement sauter sur l'un d'entre eux pour l'arrêter. Lequel voulez-vous arrêter? Typiquement, en général, là ça va être celui qui ne sera pas affecté par l'événement. Donc en positif ou en négatif, je ne sais pas encore. Donc typiquement, chaton, j'ai pas envie qu'il soit affecté. Hop, donc je tiens fermement chaton pendant que les deux autres créatures se précipitent et dévorent les champignons. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ah, bon. Et bien, ils vont avoir des crampes d'estomac. Donc ils vont tous les deux récupérer des cartes crampes d'estomac. Hop. Chacun une, je crois, dans leur deck. Alors vous et chaton, regardez tristement les autres commencer à toucher, à tousser et à cracher, et regrettant amèrement d'avoir mangé ces champignons. Voilà, donc là pour le prochain combat, j'aurai un effet négatif sur deux de mes monstres. Donc 626 et 627. Hop, là on va faire un combat d'élite. Hop. Et je pense qu'on s'arrêtera là après. Je vous montrerai peut-être la fin de la run dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Allez, combat d'élite. Donc combat d'élite, ça peut être soit un très gros monstre très costaud, soit plusieurs monstres plus petit mais sacrément costaud quand même. Voilà, quand même à 40 points de vie et 30 points de vie, donc à tomber. Voilà, donc là vous voyez typiquement 626 et 627 ont tous les deux pioché cette carte, donc cette carte elle n'est pas jouable, vous voyez, elle a le tag unplayable, elle a le tag reserved, donc ça veut dire qu'elle sera jouée automatiquement sans rien coûter à la fin du tour, et expunge, ça veut dire que elle sera consommée à la fin du tour. Et surtout, elle sera retirée de manière permanente du deck à la fin de du combat. C'est-à-dire, je vais les avoir pendant tout le combat, mais que après le combat, elles auront disparu du deck et j'aurai pas besoin de les retirer quand j'aurai rien en temps. Et du coup, là, ils vont se booster tous les deux. Hop, on va donner de l'endurance, du blocage ici, et on va commencer à entamer. Hop. Consumer toutes les deux. Du coup, oui, bah, j'ai pas lu l'effet. Le fait de ces cartes-là, hop, elles réduisent le nombre de cartes que je vais piocher au prochain tour. Donc là, typiquement, à ce tour-ci, je n'ai pioché que 3 cartes, ce qui réduit quand même drastiquement mes capacités. Hop, donc du coup, on va bloquer sur chaque tour et gagner un impétus en plus au prochain tour. On va continuer à taper sur lui. Ah non, je peux pas taper sur lui parce que lui, pour le coup, il a Mick. Mick, c'est petit, faible. En gros, il doit être ciblé en dernier uniquement s'il n'y a pas d'autres monstres cibles. C'est le contraire du taunt. Et là, non seulement lui, il a affaibli, et lui en plus, il a taunt, donc je suis deux fois plus obligé de taper sur lui.
on va l'appuyer du coup, c'est parfait. Hop. Et on dit. Hop, donc lui il a gagné 5 de charge sur sa prochaine carte. Sa prochaine carte attaque, elle va faire mal à lui. Eh bien, on va donner 2 d'endurance à chaque. Et on va mettre le mur de chair. Niveau 3 avec le counter sur 627. Et il reste 2 points d'épée tous. Donc typiquement là comme c'est un monstre aléatoire, ça a permis de taper ce monstre là même si normalement il ne peut pas équiper. Et là on va piquer ici pour qu'il appuie la main. Donc là typiquement il a tapé sur le counter, donc du coup le counter qui était à 3 a été divisé par 2 arrondi à l'inférieur, donc tombé à 1, et lui a pris 3 points de dégâts. Alors du coup je vais peut-être le faire du coup. Donc consume, là je vais. La carte elle va être détruite pour cette pour ce combat là. Je vais prendre 29 points de dégâts. Ça fait beaucoup. Ça change. Normalement ça devrait être. Je prends 0 points de dégâts et j'aurai 6 points d'action au prochain tour. Donc, alors, typiquement, voilà, j'ai de nouveau les deux crampes d'estomac. Qui fait qu'au prochain tour je n'aurai de nouveau que 3 cartes. Et là déjà, c'est doublement pénalisant, c'est qu'au prochain tour je vais piocher 2 cartes en moins, donc 3 cartes au lieu de 5. Et là en plus du coup ça me prend des places dans la carte dans la main. C'est qu'en gros, même à ce tour-ci, je n'ai que 3 cartes au lieu de 5 à jouer. Donc, c'est une double punition. Mais du coup là on va donner le taunt à chaton plutôt qu'à 617, parce que 617 n'a plus d'armure, chaton en a plein. Hop, comme ça la cible change. Et on va taper. Je vais rester sur celui qui est plus affaibli. Mais ça joue pas grand chose. Et du coup c'est toujours chaton qui est ciblé. 31, ouais, il y a quand même beaucoup plus d'armure sur celui du haut. Hop, du coup. Et là, ça tombe bien. Hop, on va donner des saignements. Et on a l'armure de 627. En affaibli, enfin, je sais pas, faudrait que je trouve la traduction. Okay, en gros, c'est il fait les yeux de chapeauté, quoi, pour pas qu'on lui tape dessus. Donc, j'ai de nouveau deux crampes d'estomac. Lui, il va prendre un peu plus cher. Et on va lui infliger un affaiblissement. 9 de dégâts sur 627, il peut les encaisser. Ils sont vulnérables par exemple, j'ai tout qui prendra plus 2 de dégâts à la prochaine attaque qui va cibler. Du coup, j'ai 6 parce que j'ai 6 et dépoussé. Hop, j'ai fini du blocage. Peut-être essayer de réussir à taper. Finir celui du haut si j'arrive à se choper des dégâts. Alors là, typiquement, faire attention à l'ordre dans lequel on joue les cartes. Parce que 626 est déjà. Et à un point, à une carte rouge de choper plus 1 en force. Je vais pas jouer celle-là en premier, parce que le fait de choper plus 1 en force, hein, pour se faire faire 4 là, ça lui filera plus 2 de dégâts. Donc hop, on va jouer celle-là en plus. Voilà, donc, au lieu d'afficher 2 fois 3 points de dégâts, j'afflige 2 fois 4 points de dégâts, c'est super intéressant. Et ce sera pas si. S'il va mourir, parce qu'il va taper. Ah oui, alors faut que je fasse attention. Parce que là actuellement il meurt parce qu'il va taper en premier sur 627 et qu'il va se prendre un point de dégâts, il lui reste 3 points de vie, il va prendre un point de dégâts de saignement et 2 points de counter, ce qui va lui infliger 3 points de dégâts pour le tuer. Si par contre je joue ça, et bah du coup c'est plus 627 qui va tanker chaton, et chaton n'a pas le counter, et donc du coup ça ne tuera pas le monstre. Donc on va se contenter de mettre plus de à 627 et de jouer la dernière carte. Effectivement, ça me fera plus de points d'action. Voilà, là maintenant il n'y en a plus qu'un seul. On va faire un 8 de tennis à tête. Hop,
le saignement est bloqué par le... Enfin, et réduit du blocage. C'est-à-dire que ça n'a pas de dégâts bruts à la vie, passant à travers le blocage. Hop. On a fait. Pareil, j'ai joué celle-là en dernier, du coup elle a chopé 2 points de dégâts au lieu d'un. On va jouer celle-là pour avoir plus de points d'action au bouger. Normalement, voilà, je devrais pouvoir y mettre un terme. Hop, je crois que c'est un combat d'élite, on a gagné pas mal, par contre j'ai toujours gagné aucune pièce. C'est pas fou. Alors hop, chaton est devenu têtu. Accès sur les cartes bleues et de pouvoir, a priori. Non, bleu c'est pouvoir, mais. Donc, 5 de dommage. D'accord. Ok. Et lui est devenu têtu aussi, mais vrai, typiquement, en fait, il n'a pas accès à la même gamme de cartes. Il y a des cartes en commun, mais d'autres qui ne sont pas en commun, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pièces. En fait, ils n'ont pas. Bon, lui, il a une main. Donc il a des griffes, il a une queue, il a des pattes, j'imagine à griffes, mais il a aussi une patte avec une main, ce qui lui donne accès à plus de compétences. Et il a une corne en plus, je crois, ce qui lui permet, de, voilà, ce qui lui permet d'avoir accès à d'autres compétences. Donc ça, il faut faire attention parce que si vous diversifiez trop sur la création d'un monstre, vous allez avoir accès à un panel très important de compétences, et ça peut éventuellement desservir au niveau du choix pour arriver à tenir ce que vous voulez. Hop, donc, passage de niveau. Alors voilà, vous avez éventuellement, d'après ce que j'ai compris, une rareté sur les cartes. Donc ça, c'est une carte de base. Vous avez éventuellement avec un petit filet argenté ou avec un petit filet doré qui représente en gros la puissance de la carte. Bon, j'ai pas beaucoup de cartes qu'il faut consommer. Je suis pas certain que ça soit très intéressant. Ça peut être pas mal, ça peut permettre d'infliger des dégâts et de récupérer du blocage en même temps. Ça, j'inflige pas assez de saignement pour que ce soit vraiment intéressant. Ou sinon, si on veut pas se foutre le jeu, qu'il y a des cartes qui seront des cartes qui intéressent pas, on peut tout à fait annuler. Et je pense que ce que je vais faire, parce que globalement, j'ai pas trop l'intention de développer chaton en attaque. Hop, ensuite 627. Alors, soit du dégâts et saignement, soit des dégâts à tout le monde. Je vais en prendre des dégâts à tout le monde. Hop. Et 627, ah bah, plus d'endurance, c'est toujours mieux. Et ensuite, une carte peut être augmentée. Soif de sang, alors, soit. Alpha, ça fait quoi? Ah d'accord, alpha ça veut dire qu'elle doit jouer en premier quoi qu'il arrive. Donc c'est un effet un peu négatif parce que ça vous contraint dans l'ordre de passement des cartes, mais du coup j'imagine que le bénéfice doit être plus important. C'est 2 de dégâts. Ah oui c'est 4 de saignement, d'accord. Soit c'est 2 de dégâts et 3 de saignement, il n'y a rien qui change, je peux la jouer quand je veux. Soit c'est 2 de dégâts et 4 de saignement, mais je suis obligé de la jouer en premier. Ça veut dire que ça peut m'empêcher notamment de tour où je dois jouer des cartes de défense. Si je l'ai dans la main, je vais être obligé de la jouer. Donc je vais plutôt partir là-dessus. Hop. Donc voilà. C'est le principe de ce deck. Donc je vous montrerai sans doute sur une autre partie une run un peu plus avancée avec des créatures niveau un peu plus élevé ou avec un peu plus de possibilités dans les cartes. Une fois que vous revenez en ville, donc là on n'a pas encore tout à fait fini le tutoriel, quand vous revenez en ville après, donc vous avez moyen de débloquer trois nouveaux bâtiments, quatre nouveaux bâtiments, un bâtiment qui vous permet de détruire en gros une créature qui ne vous intéresse pas ou qui n'a pas évolué comme vous vouliez ou qui a chopé trop de traits négatifs et que ça coûterait trop cher à changer. Vous avez une boutique qui vous permet d'acheter d'autres pièces pour avoir plus de possibilités quand vous créez vos monstres.
un emplacement qui vous permet de faire oublier des cartes à un monstre, donc assez important. C'est notamment là où vous pouvez faire oublier les cartes d'affliction permanente, comme j'expliquais tout à l'heure, en perdant du coup des points de vie maximum sur le monstre que vous voulez. Donc à chaque fois on échange d'argent. Et un quatrième emplacement qui vous permet d'apprendre directement des compétences à vos monstres, sachant que, encore une fois, c'est des compétences qui sont tirées aléatoirement pour tous vos monstres, mais ne peuvent acheter des monstres que les compétences qui correspondent aux pièces qui sont équipées. Par exemple, si c'est une pièce, par exemple un coup de bec qui est censé donner un effet, ou un coup de corne, si vos monstres n'ont pas de corne, il n'y a que ceux qui ont des cornes qui pourront apprendre cette compétence. Voilà. Donc c'est ceci pour la présentation et la base pour The Corpse Man. Je ferai sans doute encore au moins une ou deux autres vidéos pour vous montrer un gameplay un peu plus avancé, ou vous en montrer un petit peu plus une prochaine fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt. Bisous.